Jeudi dernier, une frêle esquive faisait son apparition dans la baie des Sables. Alessandro Di Benedetto, géologue franco-italien de 39 ans, bouclait son tour du monde sur un bateau trois fois plus petit que ceux du Vendée Globe. Il aura fallu 268 jours et 19 heures à ce navigateur encore inconnu pour réaliser cette première mondiale. Après 9 mois de solitude, Alessandro s'est fait escorter par de nombreux bateaux jusqu'au ponton du Vendée Globe. Sans escale et sans assistance, il a affronté de nombreuses intempéries, mais même l'incident de son mât brisé à 1800 milles des côtes chiliennes n'a pas eu raison de sa détermination. L'émotion était palpable sur le ponton mythique, et quand on demande au navigateur ses souvenirs de mer, il évoque avec des yeux d'enfant les albatros, les dauphins et autres phoques qui lui ont tenu compagnie pendant sa route. Tu parles pas. Et voilà! Merci beaucoup, mais c'est fantastique, c'est trop. Vous êtes fantastique. Le voyage en soi-même est un rêve dans ma tête. Et j'ai pensé que c'était faisable. Il y a plein de monde qui m'a dit que c'était pas faisable, que c'était fou, que j'allais mourir. Et c'est une expérience fantastique au-delà du rêve. Et aussi parce que bon, c'est un petit bateau, probablement le plus petit qu'il avait jusqu'à présent. Et c'est aussi homologué, mais le plus important, c'était le voyage. Les images, c'était pendant tout le voyage. Je peux en dire quelques-uns. C'est de caresser les dauphins. Ça, c'est incroyable. J'ai caressé les dauphins dans l'océan Indien. Je les ai filmés. Ils venaient cogner la caméra. Et pour se faire caresser comme des chiens, quoi. Comme des comment on dit des chiens, des petits chiens, des chiots, des chiots, des chiots. Et ils venaient un après l'autre, ils se poussaient à l'avant pour se faire caresser. Et ça, c'était fantastique. Une belle histoire qui touche à sa fin, mais Alessandro n'a pas dit son dernier mot. À peine amarré, il évoquait de nouveaux projets, de nouvelles aventures.